Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Le monde est tout blonde avec Rachel. Salut Pierre, salut à toutes mes petites blondasses qui nous écoutent. Et bonjour Amical, mais très distant Julien, qui remplace aujourd'hui Kimberly qui est en congé maternité. Et oui, elle a atteint un heureux événement. Mais on lui avait pourtant conseillé le stériler. Hein. Bref, ce soir, une émission placée sous le signe du zodiaque. Oui, j'ai l'habitude de dire sous le signe du zodiaque, la joie, la bienveillance. Mais je sais pas, zodiaque, ça me parle. En plus, j'adore les pompiers. Donc, une émission sous le signe du zodiaque, du glamour et du fard à paupières. Et ouais. Et puis, vous les avez entendus rire comme des baleines à basse. Elles sont là toutes les deux, Pamela et Alexia. Coucou. Et puis, il y a aussi Julien. Ce soir, salut les filles, Julien. Avant de lancer l'émission, j'ai envie de débattre sur un petit débat qui m'a turlupiné. Turlupiné. Ah, j'arrive pas à le dire, c'est trop compliqué. Turlupiné. Toute la semaine. Parce que oui, ce week-end, je me suis encore fait draguer copieusement au bamba. Impossible de danser, quoi. Impossible. Et vas-y que je t'offre un verre. Et vas-y que je me colle. Et vas-y que t'es charmante. Et puis quand tu veux pas, vas-y que t'es une pute, quoi. Bah ouais, tout de suite. Je me pose la question suivante. Les filles, la vie, elle serait pas plus simple. Ouais. Franchement, si nous aussi, on était moches. Hein. Alors moi, si je peux me permettre. Non, te permets pas, toi. Te permets pas. Justement, Adixia, je crois que toi aussi, tu as décidé de franchir une grosse, grosse étape de ta life, de ta vie, ma chérie. Et oui, c'est toujours concernant notre affaire de moche. Raconte-nous, Adixia. Effectivement. Bon, c'est délicat d'en parler comme ça en courage, public. Chérie. Mais moi, perso, je fais plus de contouring. Mais t'en as à ce stade-là, chérie? Ben, je sais que ça choque, mais je me sentais trop mal quand j'étais trop belle. Ah non, mais bah justement, ouais, justement Adixia, je crois que tu t'es pas arrêtée là, quoi. C'est filmé, là? Non. Je croyais que c'est... D'accord. Alors, je vous montre, mais promis, vous dites rien. Non, hein. Rien. J'ai décidé de faire la surprise à mon copain, hein. Je vais pas tout gâcher. Ok, promis. Ah oui, d'accord, c'est comme ça partout là? C'est filmé là? Oui, c'est filmé. Je passe immédiatement la parole à Pamela. Pamela, ma chérie, rêves-tu de toi aussi d'être moche et de enfin passer inaperçu? Attends, mais non, mais pas du tout, mais du tout quoi. Moi, je le vis super bien d'être moi. Enfin, d'être belle quoi. Et après, c'est vrai que moi, alors j'ai une copse qui a fait appel à un chirurgien, mais pour de la chirurgie, attention, déréparatrice. Non mais, ouais, mais comme son nom l'indique, il l'a déréparé dans tous les sens. La totale. Retirage de prothèse mammaire, horrible. Retirage d'extension, délifting, retirage de neurones, alors qu'elle n'en avait même pas à la base. Pardon. Non, enfin, les girls, non, franchement, c'est sérieux. Soyez vous-même, soyez belle, soyez blonde, merde. Grave. Merci les filles, c'est vraiment plaisir, hein, vraiment, merci. Bon, Julien, toi, ma petite girlie, ma petite blonde, t'en penses quoi, toi? Attends, Rara, t'avais pas dit que c'était une émission que avec des filles? Bon, c'est bon, moi, je me casse si c'est comme ça. Hein. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit, les filles, en fait? Il a fini par se rendre compte que lui-même, hein, il est pas con. Ouais. C'est pas une grosse attitude de grosse blondasse, ça, hein? Bah, allez, carrément. Allez, grave, hein. Carrément, hashtag blondasse. Monde est aux blondes. Allez, les filles, on se retrouve dans un instant pour la suite du Monde est aux blondes. Je crois on a bien mérité une petite pause retouche. Bah ouais. Alors, mes petites blondes, je vous dis à tout de suite, car comme vous le savez, le monde est aux blondes. Le monde est aux blondes. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.